Bonjour et bienvenue une fois de plus avec vous, votre compagnon Yellow Nemus Gemini, pour une nouvelle revue d'une nouvelle figurine EX qui vient d'arriver. Et il s'agit de la figurine Libra, comme vous pouvez voir sur votre image. Donc au niveau du packaging, tout simplement, c'est une simple boîte qui ne partage pas le format EX habituel. Donc vous pouvez voir ici, je vous montre avec une boîte de Metal Club. Donc vous pouvez voir que les boîtes sont complètement différentes, tant au niveau de la taille que du artwork. Donc on voit simplement le symbole de Libra avec un fond galactique orange. Sur les côtés c'est la même chose et derrière c'est exactement la même. On peut voir ici l'étiquette qui identifie le modèle comme étant la figure OCE, donc Original Color Edition. Donc sans plus attendre, nous allons passer au contenu de la boîte. Donc voici le contenu de la boîte, contenu qui se compose de deux autres boîtes de carton. Youpi, on aime les boîtes. Donc on va passer tout de suite au contenu des deux boîtes extra. Et donc nous voici de retour avec le contenu des sub-boîtes. Donc le contenu se compose tout simplement des trois pièces qui forment la cape, empaquetées individuellement, avec la petite pièce qui va sur la partie du haut de la cape. On a deux tridents en métal, empaquetés individuellement. On a deux boîtes qui contiennent les pièces de l'abdomen avec les protège-mains. On a juste une seule paire de protège-mains. Et on a aussi les différentes pièces qui viennent sur l'armure et sur les boucliers. Vous voyez, on a une autre boîte avec la pièce dorsale qui sera celle qui vient avec la cape. On a un sachet avec les différents jeux de vilains. Et on a aussi un sachet avec un corps EX avec un mécanisme genre Camus, vous voyez, avec le bout sur les côtés, et le mécanisme monté sur le corps, enfin à moitié monté sur le corps. On a aussi deux sachets, donc on a un premier sachet avec les cheveux de Doko en couleur OCE et les trois options de visage qui nous sont offertes avec la figurine. Et à part, on a les deux blisters qui contiennent les armes et les plus grandes parties de l'armure. Blister que nous allons réviser tout de suite, donc que nous allons commencer. Donc voici une vue rapprochée du premier blister. Comme vous pouvez le voir, il contient la majorité des parties de l'armure. Donc on va faire une petite vue rapprochée du blister. Donc vous voyez, ici on a les différentes pièces. Très jolies, très bien terminées. On peut voir que le polissage est vraiment très 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 bien terminé ici. On a un très beau polissage. Très bien. Très belle couleur, vraiment très jolie. Très 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 jolie, très belle pièce. Donc on va continuer avec le... Donc nous voici de retour avec une vue sur le second blister. Le blister qui contient certaines pièces comme le casque et surtout les armes de l'armure. Donc on va faire un petit zoom sur les pièces pour que vous puissiez les voir de plus près. Et on va continuer avec la review. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment très bien terminées. J'adore le polissage, vraiment très bien. Vraiment, c'est une très très très... Enfin, on voit vraiment... Elle est vraiment très jolie, cette figurine. Je m'y attendais pas. Donc, voilà les différentes pièces. Très 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 bien terminées. Ouais. Très jolie. Donc on va continuer. Donc voici le corps. On va y jeter un œil avant de commencer. Donc au niveau du corps, ben on a un corps EX normal. On n'a pas l'air d'avoir de mouvement au niveau du torse, comme normalement ce qu'on a sur les EX. Ça bouge vraiment très peu. Vous voyez, je sais pas, le mouvement est à peine perceptible. Donc voilà, on va continuer. La qualité du plastique, ben oui, la finition est vraiment moyenne. Bon, au tact, on a vraiment une sensation de légèreté au niveau des plastiques. C'est pas top top. Donc je vais vous montrer le contenu des sachets bien étalés et après on passera au montage de la figurine quoi. Donc nous voici avec le contenu des sachets, une vue de plus près pour que vous puissiez les apprécier de plus près. Donc voici la cape avec la pièce qui sert pour la monter. Ici vous avez les différentes options de main. Ici les différents visages avec les options de cheveux.
avec son casque. Ici les deux tridents en métal. Ici nous avons les pièces de l'abdomen avec les différentes pièces de plastique et les protège-mains, une seule paire. Et ici le corps. Qu'est-ce que nous avons vu alors? Donc on va procéder au montage de la figurine. Donc on va procéder au montage de la figurine. Pour le montage, on va faire ça assez rapidement. Donc je vais monter les pièces, je vais les monter une après l'autre. Et s'il y a des problèmes, je vous le dirai, on les mentionnera, on les verra ensemble. Et sinon, je continuerai le montage, hein. On va pas faire ça si ça dure trop longtemps, d'accord? Donc on va commencer. Donc le montage des pieds est très bon, la manière de s'emboîter est très bonne, donc apparemment ça a l'air d'aller, on va avoir une bonne figurine. Donc je vais juste enlever les pièces de l'abdomen et après on verra. Vale. Bien, donc le corps a été très bien. On a eu des petits problèmes quand même, on a quand même un petit peu de difficulté à ajuster, mais une fois qu'elle est dedans, elle est dedans, il n'y a pas trop de problème. On va continuer. S'il n'y a pas une pièce qui vient là. Le plus longtemps, c'est une la pièce qui vient là. Qui est-ce que c'est? C'est une de ces pequeñitas. Vamos a cortarla et vamos a ponerla. Donc, ouais, pour la ceinture, c'est une de ces petites pièces. Donc, on va la retirer puis on va la mettre dessus. Quoi. Thank you.
c'est chaud. Ouais, pour l'instant, ça a l'air d'aller, hein. C'est peinard, quoi. Bien, bien, bien. Moi, j'aime bien. Hein. Donc on voit que l'accouplement n'est pas parfait ici, mais avec la pièce de la cape, je pense que ça devrait tenir le coup. Parce que les pegs ont l'air d'être assez bien, on verra ça après. Pour l'instant, ça va. Et donc, voici les bras. Aquí tenemos unos pequeños detalles de definición. Pero para ahí veis, ahí. Aquí veis, aquí. Thank you.
Donc on va mettre les épaulettes, l'alouette. Donc voilà, on a les bras montés, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a l'air d'être bien, quoi. Le plastique est un peu mou, d'accord, je vous l'admets, c'est vrai que le plastique est vraiment, vraiment mou, mais je pense que en changeant de corps, en mettant un autre corps, un corps Metal Club en OCE, machin, franchement, je pense que l'armure devrait tenir le coup, quoi. Elle est vraiment très bien, hein. J'aime beaucoup, quoi. Je vais vous montrer les visages, ce signal à la scala, si dépend de moi. Je vais mettre celle-là. Et donc voici le visage, on va le mettre sur la figurine. Tout est bien rentré, il n'y a pas eu de problème, quoi. C'est juste cette pièce qui arrête pas de sortir. Ça rappelle le Toro Metal Club, quoi, si vous l'avez eu. Donc voilà, on va mettre ça là. Oui, donc je viens d'avoir une très grande surprise, très bonne surprise, en regardant, en sortant les boucliers du blister, c'est que dans la boîte, ils ont aussi mis les petits en métal. Donc vraiment très top, très bien vu. Donc je vais mettre les petits en métal. Et en plus, ils tiennent bien. Donc, ça, c'est pour là. Donc, je vais le mettre maintenant parce que je vais pas les mettre sur ses épaules, quoi. Je vais l'avoir comme ça. Bien entendu. Donc, voici, la figurine est terminée. On a mis les boucliers, on a mis toutes les pièces. Je voulais juste vous signaler qu'avant, dans le deuxième blister, il y a aussi un petit sachet qui comporte les différentes armes en miniature qui vont sur les différents endroits de l'armure, quoi. Donc voilà, on va passer aux poses. Avant de passer aux poses, je vais vous montrer les différentes armes. On va faire un petit visuel dessus. Et puis voilà, quoi, j'espère que ça vous aura plu. Donc on va continuer. Avant de passer aux poses, un dernier visuel sur les différentes armes disponibles. Donc, je vous rappelle qu'elles sont toutes de métal, sauf les pièces d'union. De ce qui est le bouclier, la partie basse des lances, des tridents et les boucliers grands et le casque. Donc on va continuer.